On nous garde Galates chapitre 4, le verset 7. Galates chapitre 4, le verset 7. Nous bras l'île encore. On nous lit ensemble, il dit, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Hier soir, nous t'ai commencé à parler de la notion de fils. Nous t'ai dit, vous êtes un fils. Qu'au garçon, qu'au fille, vous êtes un fils. Et nous t'ai pris temps nous pour nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire être un fils. Nous t'ai dit, premièrement, être un fils, c'est un. Nous t'ai dit son statut. Être un fils, c'est un statut. Le n'a parlé de fils dans la Bible, ce n'est pas sous mâle ou bien sous femelle, sous un petit garçon ou bien si son petit fille. Être fils dans la Bible signifie que vous gagnez un statut. Qui statut ça? Vous êtes fils quand vous avez atteint le statut d'héritier. L'horizon côté, vous capable d'héritier toute sa papa ou bien pour vous, ou vignon fils. Donc c'est ça que je dis, vous êtes né enfant, mais vous devenez fils. Jésus t'est fait enfant, mais il t'est venu fils. Premier niveau de fils, c'est lorsque tu es baptême, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, et puis il commence une mission sur la terre, parce que ça te fait partie de l'héritage. Deuxième niveau fils, c'est l'élève dans le ciel là. Et puis il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et puis il dit, tu es mon fils aujourd'hui. Je t'ai engendré, il est entré dans le deuxième niveau de fils qui t'a fait partie de deuxième partie de l'héritage. Est-ce que vous en avez, mes chers amis? Donc un fils est un héritier. C'est ça que fait ou fait fils, mais ou devenir héritier. Parce qu'on petit, Pavel dit ou héritier. Je dois avoir trois petites et puis me laisser tout bien à un petit. Est-ce que l'église avait, mais est-ce que l'église avait? Je dois avoir trois petites, mais me laisser tout bien à un petit. Quel que soit petit, me laisser bien balia, c'est l'héritier. Est-ce que l'église avait, mais? Donc un fils, qui est-il? Un fils, c'est un héritier. C'est un monde qui arrive à un âge de maturité et puis papa a dit, Kounia, je dois avoir bien dans la main. Donc, on te dit, ou faites enfant de Dieu, mais ou vive fils de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De pour faire, ou vive ou automatiquement enfant de Dieu, mais ou pas automatiquement fils de Dieu. Est-ce que ça va? Levez-moi en l'indime son fils. Ok, fils, c'est ça, papa a choisi. Pour le bail héritage là. Donc, ou même, leur fait, leur né de nouveau, ou c'est enfant de Dieu, mais bon Dieu, ils n'ont pas quelle promesse pour vous en héritage. Ils n'ont pas quelle promesse que le serait pour vous. Ou vin fils, ou grandit dans bon Dieu, et puis bon Dieu dit toute promesse, moi j'ai réservé pour vous à la fin du monde, qu'on y a ou grand assez pour recevoir promesse là. Levez-moi les dîmes, son fils. Donc, un fils, m'a dit, est un héritier. Ok, donc c'est un statut, si l'on vit un statut d'héritier. Deuxièmement, de dire être fils, c'est qui ça? C'est une saison. Moi, je dis comme ça, ou fait enfant, mais ou vit fils. L'on vit fils, ou entre dans une nouvelle saison. Nous songeons hier soir, nous avons gardé Galates, chapitre 4, le verset 1er. On regarde encore. Dans Galates chapitre 4, verset 1er, la Bible dit comme ça, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je vous dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Verset 2. Et puis il dit comme ça, mais il est mis sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué. Jusqu'au temps marqué. Gon temps qui marqué. Jusqu'au temps marqué. Gardez verset encore. Juste au temps marqué. Par le Père. Aux États-Unis, c'est la loi qui dit qu'il est un petit qui a un héritier. Un petit qui a un héritier, il a 18 ans. Ça, c'est la loi qui dit ça. Mais dans le ciel,
c'est pas la loi qui dicte. Dans le royaume de Dieu, c'est pas la loi qui dicte, c'est le temps. Remettez verset encore. Regardez qui ça le dit. Il pas dit le temps marqué par la loi, il dit le temps marqué par le. Ça veut dire non, aux États-Unis, c'est la loi qui dit qu'il est petit fin héritier. C'est l'elle qui a 18 ans, il a signé un papier légage à ce moment, tout bien papa te bali, qu'a passé bali, et bien parce que il a 18 ans, il est héritier. Dans le royaume de Dieu, où vin héritier, les bon Dieu dit ou parlez pour héritier. C'est le temps marqué par le Père. Être fils, c'est une saison. C'est saison qu'on est entré dans l'héritage ou dans bon Dieu. Saison qu'on recevra bénédiction dans bon Dieu. Premièrement, nous te dit, l'un a parlé être fils. Premièrement, nous dit c'est un statut. Nous dit deuxièmement, c'est une saison. Troisièmement, nous te dit être fils, c'est qui ça? Être fils, c'est une mentalité. Son mentalité. Son mentalité. Regardez qui ça, apôtre Paul te dit, nous te fons lire hier soir, apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, 13, verset 11. Regardez qui ça te dit encore. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Cela veut dire, être enfant, c'est une mentalité. Lors enfant, ou parler tant qu'on enfant, ou raisonner tant qu'on enfant, ou penser tant qu'on enfant. Mais il dit, l'homme vignon homme, moins la guerre de côté ce qui était de l'enfant. Ça veut dire l'homme vient homme, l'homme vient fils, l'homme vient héritier, l'homme vient adulte, l'homme vient mature, qu'on y a façon de changer pensée, façon de parler pensée, façon de raisonner pensée, parce que m'entraîne en nouvelle saison. Est-ce que l'église comprend ça me dit, a dit gloire. Yes. Alléluia. Donc comment fait qu'on est que yon moun a grandi spirituellement? Comment on a grandi spirituellement, c'est là où les paroles commencent à changer. Réflexion commence à changer. Où qu'on est que le monde a grandi. Est-ce que vous avez même façon de penser commence à changer? Eh bien, depuis où le monde, où les paroles commencent à changer, façon de penser commence à changer, façon de réfléchir commence à changer, ça veut dire qu'il commence à vivre près héritage que le gagne dans votre Dieu. Est-ce que l'église comprend ça va dire? Si vous comprenez ça va dire, dit gloire. Nous dit être fils, c'est un statut. Deuxièmement, être fils, c'est une saison. Troisièmement, être fils, c'est une mentalité. Et finalement, nous disons ça, être fils, c'est qui ça y est? Attitude. Être fils. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un. Songez, parce que tout autant enfant ou beaucoup fils. Parce que un fils dans la Bible, c'est un enfant majeur. Un fils, c'est un enfant qui a signé un papier. Un fils, c'est un enfant qui peut recevoir un héritage. Un fils, c'est quelqu'un qui est capable de devenir héritier. So, Timoun piti, pas fils. Yore le yo enfant. Mais l'homme adulte, m'ka signé un papier, m'ka géré bien papa, m'ka yore le mion fils dans la Bible. Est-ce que l'église comment ça va me dire? Et ça fait m'dou né ou né enfant, mais ou devenir fils en Jésus-Christ. Jésus né enfant, mais Jésus a fallu, a dû attendre 30 ans. Jésus fait comme enfant, mais l'obligé tant 30 ans avant le Père dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce qu'on avait même? Il tant 30 ans avant le Père déclarer le fils. Ou fait enfant, et pour vivre fils, qui l'a vivre fils. Le Jésus qui est 30 ans, le Père dit, mission m'y est pour moi, qu'on y a rentré là-dedans. Est-ce que nous avons ça à me dire là? Mais même Jésus obligé tant 30 ans avant d'entrer dans l'héritage. Et puis le Père dit, vous êtes maintenant fils. Mission m'y a pour vous sous la terre, ou après entrer là-dedans. Est-ce que l'église commence à m'en dire? Ou né enfant ou devenir fils. Mais comment fait qu'on est yon moun a passé de étape enfant à fils? Manière de penser, elle commence à changer. Réflexion, elle commence à changer. Jean le parler commence à changer. Paul dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais il dit, quand je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfance. Je réfléchis en l'autre gens et c'est ça qui fait m'entrer dans l'héritage moi dans Christ. Si vous comprenez ça, dis-moi gloire. Et quatrièmement, je dis, yon fils, c'est une attitude. Parce que de gens pensés, vont affecter gens agir. Donc Paul dit comme ça, m'obliger à mettre de côté de l'enfance. Et puis, l'on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 4, il dit tout le bagage, il est obligé de mettre de côté pour le capable de quitter enfant à homme, pour le capable de quitter esclave à fils. Dans 1 Corinthiens 13, 4, il dit comme ça que la charité
Il dit comme ça, est patiente. Il dit la charité est pleine de bonté. Et puis regardez qui ça dit, la charité n'est point envieuse. Ça veut dire m'obliger à mettre envie de côté. La charité ne se vante point. M'obliger à mettre jolet de côté. La charité ne s'enfle point d'orgueil. M'obliger à mettre orgueil de côté. La charité ne fait rien de malhonnête. Mettez méchanceté de côté. La charité ne cherche point son intérêt. Mettez égoïste de côté. La charité ne s'irrite point. Mettez colère de côté. La charité ne soupçonne point le mal. Mettez méchanceté de côté. La charité ne se réjouit point de l'injustice, mettez l'injustice de côté. La Bible dit, Paul dit, l'homme commence à mettre envie de côté, colère de côté, jalousie de côté, injustice de côté, et puis il dit, Kounia m'a pas entré dans le stade, fils. Ça veut dire, l'homme est dans l'église, où elle n'en colère toujours, tout s'en fait, mounan, li fâché, li boudé, au moment où l'écraser, etc. Ça veut dire, enfant toujours. Et un Corinthien, regardez Galates chapitre 1. Regardez où on a fâché. Galates 4, verset 1. Depuis que vous avez fâché, ou regardez où on a fait un malhonnête, ou regardez où on a mal vivre avec les gens, les enfants toujours. Et qui problème qui gagne en tant qu'enfant? La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent de un esclave. Ça veut dire tout le temps ou pas grandi. Pour prendre l'autre dimension dans mon Dieu, malgré ces petits bon Dieu, ou à vivre comme esclave dans le monde qui sent mon Dieu. Est-ce que l'église comprend ça, m'a dit? Je déclare son fils. Ah, m'attendez ça. Je dis, je déclare son fils. Je dis, je déclare son fils. Je dis, déclare son fils. Ok. Assoyez rapidement. Nous allons regarder la différence qui existait entre mentalité de fils. Nous allons regarder une première différence qui existait entre le fils et l'esclave. Galates chapitre 4, verset 7. On regarde encore. Galates chapitre 4, verset 7. Il dit, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Qu'on différente entre esclave et fils. Donc, assoyez à ma bord une différence qui existait entre esclave et fils. Et chaque soir, nous allons regarder. Notez ça. Yon fils kon ki est lié. Est-ce que nous allons ça m'a dit hein? Yon fils kon ki est. Ah, m'a tande fort. Dis fort ça pas encore. Yon fils kon ki est. Ça c'est une grande différence entre un fils et un esclave, c'est que un fils sait qui il est. Un esclave ne sait pas qui il est. Et différence fondamentale ça fait lié impacter tout l'autre aspect de leur vie. Bam retourner derrière pour m'expliquer ça. Le bon Dieu créé l'homme. Il créé l'homme à son image et à sa ressemblance. En d'autres termes, si vous regardez l'histoire de Dieu, ou après tout à travers la Bible, Dieu a toujours voulu avoir des fils. On dit fils. Regardez toute l'histoire de la Bible. Toute l'histoire de la Bible, c'est que bon Dieu a cherché fils. L'a créé Adam. Comment le créer Adam? À son image et à sa ressemblance. Ça veut dire, même Jean yon petit semble papa, moi créé Adam pour sembler avec. Bon Dieu, pas seulement vle yon homme sur la terre, li te vle yon fils sur la terre. S'il te vle yon homme, li tap créé yon moun qui semble l'autre bagaille. Mais il créé yon moun qui semble avec. Est-ce que nous avons, hein? Parce que il tap cherché yon, li tap cherché yon fils. Mais malheureusement, le bon Dieu fin créé l'homme tombé. Non, esclavage. Comment on fait dire Adam tomber dans l'esclavage? Dans Jean chapitre 8, bon, moi, si moi, verset spécifique là, 8, verset 34, j'ai dit du en bagage. Bon Dieu créé Adam fils, bon Dieu créé, fait Adam sembler avec, parce qu'il veut un fils, mais le Adam tombé dans le péché, il passe de dimension fils à esclave. Qui ça la Bible dit? On nous lit ensemble. Il dit qui ça? Jésus répondit, en vérité, il leur dit, et répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est
est esclave du péché. Ça veut dire bon Dieu créé Adam fils, mais jour il bail tête lié au péché, il vient esclave. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit hein? Il vient esclave. Et puis qu'il y a toute petite que Adam fait yo, vient tourner esclave péché tout. Et ça fait salmiste, il dit plus tard, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, né comme esclave péché. Donc, le bon Dieu finit de créer Adam, Adam tombe dans l'esclavage du péché, Caïn avec Abel dans l'esclavage du péché, c'est ça qui fait Younaptouye l'autre. Les hommes au temps de Noé tombent dans l'esclavage du péché, tout, c'est ça qui fait bon Dieu obligé de détruire l'humanité. Dans Genèse chapitre 10, les nations ont commencé à fonder. Ils ont tombé dans l'esclavage péché. C'est ça qui fait bon Dieu obligé de confondre. Parce que tout en bas, esclavage péché. Hein? Et puis dans Genèse chapitre 12, qui ça l'Éternel fait, il relève un homme, il dit, je t'ai créé un fils. Et nous avons cherché un fils dans Adam. Mais Adam et Adam, mais tout plan, il est tombé un esclave. Là, on paquet de petit esclave. L'Éternel dit, je vais recommencer avec un homme et puis pour me former des fils. Qui ça le fait le relé un homme qui relé Abraham. Il dit Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, je ferai de toi une grande nation. Abraham, on va le faire avec une nation de fils. Parce que toute la terre, l'aime garder toute la terre, m'a ouais fils encore. Moi toutes ces esclaves. Il dit comme ça, m'a besoin une nation de fils, on va le faire une nation avec. Premièrement, pour tout le monde qui connaît que nation ça, c'est petit moins lié. Li dit, m'bral choisi yon homme qui rele Abraham avec yon fille qui rele Sarah et puis m'bral ba yo petit. Pour qui ça Sarah avec Abraham important? Parce que ni yon ni l'autre pas ka fait petit. Matan le Abraham gen 100 ans. Matan le Abraham gen 100 ans, pas gen la vie encore. Matan le Abraham gen 100 ans, cela veut dire pas dans rien, li pas des semences que le cal déposé humainement encore et puis m'a marié avec une femme qui est stérile. Et puis à 100 ans d'âge, m'a ballon petite, l'aime bal petite ça, tout le monde a obligé dit semence ça, c'est pas semence Abraham lié, ça c'est semence l'Éternel. Ça c'est semence l'Éternel. So à l'âge de 100 ans, li bail Abraham yon petite qui rele Isaac. Isaac fait Jacob. Jacob fait 12 fils, 12 filles au bail, 12 tribus. Et puis yon entre kounya, yon vin tourner yon nation. Et le l'Éternel a fait nation en sortie en Égypte. Dans Exode chapitre 4, verset 22, mettez le l'Éternel a râlé nation sa sortie en Égypte. L'irele yon homme qui rele Moïse. Et puis il dit Moïse, al parle avec Pharaon. Et puis dit, laisse petit moi. Al parle avec un homme qui rele Pharaon. Et puis Moïse dit, laisse-moi arriver devant Pharaon. Qui ça vous me dit? Il dit, ainsi tu parleras à Pharaon. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Verset 23, laisse aller mon fils. Israël est mon fils. Abraham pas de café petit, Sarah pas de café petit, c'est moi qui te baille aux semences qui fait nation exister. Laisse aller mon fils. Nation ça c'est pas n'importe nation lié, nation ça c'est petit moins lié. Me recommencer avec Abraham parce que m'a cherché un fils à Adam t'écraser tout bagaille. Me recommencer à monsieur parce que m'a cherché un fils. Il dit laisse aller mon fils. L'Éternel fait Israël sortir en Égypte, qui est son fils. Mais le Israël arrive dans le désert, Israélitio, puisque Israélitio, il te fait 400 ans en esclavage, malgré l'Éternel, il est petit, lui-même, il n'a pas jamais l'Éternel papa. C'est ça que fait dans tout l'Ancien Testament, ou pas jouer dans quel monde à parler avec bon Dieu pour le dire. Père, pour dire notre Père. Premier monde qui dit notre Père, Jésus. Premier monde l'a prié et puis il dit Père, je sais que tu m'as répondu. Pas dans quel monde dans l'Ancien Testament qui j'aimerais le bon Dieu papa. Il y aurait l'Éternel, il y aurait le Seigneur, il y aurait le El Shaddai, il y aurait l'Elohim, il y aurait le Dieu puissant, il y aurait tout le nom excepté papa. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? Donc l'Éternel relè yo petit. Mais yo même puisque yo habitué en Égypte. En Égypte yo habitué avec
mentalité, yo c'est esclave, yo habitué avec des maîtres. Donc mot yo plus utilisé pour yo rele l'Éternel, yo rele l'Éternel Seigneur. Seigneur signifie maître. Mais yo pas rele le papa. Est-ce que n'avait même? So Israël fait tout temps dans désert. Malgré l'Éternel rele le petit, yo pas jamais rele le papa. Malgré l'Éternel traiter Israël comme petit, li dit m'poto tant kou yon maman qui pote zèli en babral, malgré l'Éternel traiter Israël comme petit, yo pas jamais traiter le comme papa. Yo traiter le comme yon seigneur, comme yon maître, comme yon moun kap gouverner sous la vie yo, mais yo pas rele le papa, yo pas traiter le comme papa. Yo tellement pas traiter l'Éternel comme papa, ou songe hier soir m'tap di, gen différence entre chantoutou avec Saint Anise. Nous songe ça, m'ta di comme ça que dans pièce Saint Anise là, Jean Toutou ouais papa papa l'a vini et puis il dit comme ça, papi, et puis il courit papi côté papi pour l'alba la collade, Saint Anise tant de monsieur a vini, le peuple il courit. Mais c'est même mon nan vini, mais le bail même réaction. Sou elle comme papa ou courir dans bras. Sou elle comme yon maître qui veille pour le calo, yon boss, yon patron qui veille pour le courir là ou courir loin de lui. Israël, elle était dans désert là, comment elle réagit? Elle était traité l'Éternel comme yon papa ou comme yon seigneur, comme yon maître, le maître de l'esclave. La Bible dit comme ça, l'Éternel paraît sur le mont Sinaï. Dans le livre d'Exode, Josué dit Israël, est-ce qu'on voulait parler avec l'Éternel? Israël dit non. Il dit, j'aime bagarre là sous mon signal. Parle à l'Éternel. Ouah, dis-nous ça, l'Éternel. Dis, parle avec nous. Parle avec nous. Non. Parle avec nous. Ouah, dis-nous ça, il dit. Est-ce qu'on avait même? Parce que depuis au monde, il y a une mentalité d'esclave, ou il y a une difficulté, il y a une intimité avec bon Dieu. La prière paniquée. Ou pas enjoy prier. Ou pas enjoy présence bon Dieu. Ou pas enjoy un service. Ou moun sa ke doit venir l'église. Li ke doit venir l'église pour pas en contravention avec bon Dieu, mais où est l'église là colle là, mon senti l'esprit l'on l'autre côté. Est-ce que l'église commence à dire? Tandis que moun ki fils là, li prend plaisir pour la présence papa. Sou comprendre ça m'a dit à gloire. M'di me déclare son fils. Déclare son fils. So Israël continue vivre tant qu'on fils en Israël. Pendant semaine, nous allons enseigner ça. Une différence qui est entre esclave et fils, c'est que fils fait moun confiance. Esclave pas fait personne confiance. Ça fait ça. Parce que esclave la croit que moun toujours là pour porter le mauvais coup, battre, abuser, il n'a pas fait personne confiance. Donc l'Israël rive dans le désert, puisque il y a une mentalité d'esclave. Les bon Dieu dit entrer en Canaan, il dit on va voir nous en Canaan pour y aller péter fiel. Nous ne pas braler. Nous ne pas braler. Parce que moun qui a une mentalité esclave, yo pas croit personne. Est-ce que l'église a dit ça m'a dit Esclave a tellement passé misère dans la ville, il pas croit personne, il tellement prend mauvais coup, il pas croit personne. Donc finalement il vient une méfiance. Elle vient de méfiance même par rapport à Dieu. Donc Israël pas fait mon Dieu confiance. Est-ce que l'église commence à me dire? Tandis que l'autre mentalité de fils, ou fait mon Dieu confiance, ou fait l'autre monde confiance. Sous mon fils là, on nous dit qu'on s'aime mon fils là, 4 ans, 5 ans, etc. Et pour comme papa, ou camp en bas, et pour dire, ou dit my son, jump, ou dit sauter. Même quand on dit sauter, il y a le sauter. Il n'y a pas besoin de connaître est-ce qu'on va blaguer, est-ce qu'on va kembel, est-ce qu'on va pas kembel. Dès qu'on dit jump, il jump. Ça fait ça. Parce que son fils. Le fils fait confiance à son père. L'esclave ne fait confiance à personne. L'esclave a tout depuis dans Guinée de Gaïne. Attention. L'esclave a tout mangé chaque coucou pour éclairer pour gérer. Attention, attendez, papa. Papa, il n'est pas. C'est une mentalité d'esclave. Âme déclare son fils. Déclare son fils. Donc Israël, le dans désert là, il continue à fonctionner comme esclave. Le l'Éternel ouais, Israël, pas cabal rendement besoin. Il dit, je commence à Adam, bagala va marcher. Je prends Abraham, kounya me font nation. Pour moi, si je fais nation de fils, ça va marcher. L'Éternel dit, je vais le réessayer en troisième fois. Mais il dit, cette fois-ci,
Cette fois, ce qu'on s'est mal fait, on va pas prendre l'homme sous la terre. Parce que m'dé prend Adam, ça va te marcher Abraham, pas te marcher. Ou quand ça m'bral fait, m'bral prend la deuxième personne de la Trinité, mon fils dans le ciel. M'a fait descendre sous la terre et m'a fait vivre devant les hommes comme fils. M'a fait l'œil sous la terre, tout ça l'a fait. Et puis elle a parlé, il dit comme ça, le fils ne fait rien qu'il ne voit le Père faire. Elle a prié, elle a dit notre Père qui est aux cieux. Elle a prié, elle a dit mon Père, je sais que tu m'exauces déjà. Dans le jardin de Gethsémané, il dit mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ma volonté, mais pas ta volonté. Elle a parlé, elle a dit comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Et même elle a mouru dans la croix, elle a dit Père, je remets mon esprit entre tes mains, etc. Elle a retourné vers le ciel, il dit Marie, je retourne vers le Père. Pour qu'on ait toute la vie fonctionnée sur le Père. Pour qu'on ait comment on vive avec mon papa. Pour qu'on ait comment on vive avec mon fils. Parce que mes premiers messieurs vont dans mon rendement. Il voyait Jésus pour vivre devant nous comme un fils. Est-ce que nous avons hein? Et puis il dit comme ça. Qu'on y a alors imité Jésus. Ou bien vivre comme un fils. Pour moi. Ah, me déclare son fils au nom de Jésus. Me déclare son fils au nom de Jésus. Même te dou yon bagay. Me te dou yon grande différence entre yon fils et yon esclave. C'est que yon fils kon ki est-ce que lié. Yon esclave pas kon ki est-ce que lié. Ou besoin konnen yon bagay. C'est que bon Dieu créé nous à son image et à sa ressemblance. Et image ça, li ba nou yon bagay ke rele dignité humaine. Dignité humaine. Tout moun kap viv dans le monde senti li gen valeur. Tout moun kap viv dans le monde, même moun ki homeless kap mande de yo wa kap manje nan fatra. Sou passe côté et puis ou frappe pied ou pas dit le pardon, li fâché. C'est pas ça? Sou passe côté ou dit l'on vie mon li fâché, c'est ça qui fait ça. Parce que même s'il a traîné, même s'il a mangé dans fatra, li connaît le valeur. Li connaît le valeur. Mais ça fait tout homme sentir que ou gain valeur. C'est parce que tout homme est porteur de l'image de Dieu. Même s'il pas connaît raison qui fait le connaît le gain valeur, mais c'est parce que la portée image de Dieu. Maintenant, chers amis, qui ça esclavage fait? Tout homme est créé à l'image de Dieu. Mais l'œil au monde vient un esclave, au lieu de traiter le comme un monde, il traite le comme un objet, il traite le comme une chose. Yo traite le comme un bagay. Donc le yo moun réduit ça fait esclavage, c'est un mal terrible. Tout côté yo pratique esclavage. Esclavage c'est une bagay qui pi terrible ou ka fait yo moun. Ça fait ça parce que lorsque ou fait yo moun esclave ou réduit d'une personne à une chose. Ou comme ça veut dire, soit regarder la traite des Noirs, film sur la traite des Noirs, histoire de la traite des Noirs. Ou comme on était traité esclave là, esclave là sorti en Afrique, et puis, ils ont retiré tout rat sous lui, parce que les vendent esclaves là, ils ont vendu tout ou ni. Ils ont retiré tout esclave sous lui, Jean-Maman le Tefel, Jean-Papa le Tefel, et puis ils ont pas quelques monde devant. Et puis il dit, m'baye $50 pour ça. Et puis l'autre a dit non, m'baye $70. Il dit non, lui-même, m'baye $80 pour ça. Avant, yo vini, yo testé mon nom, yo testé l'estomac, yo testé. Yo dit, monsieur, ça son bon bête de champ. Et puis yo testé mon nom. Ou comme ça veut dire, l'or campé devant moun, et puis kap achete ou pour $50. Ou comme ça fait? Ou comme ça, ou comme comment l'affecter? Image ou j'en ou est tête ou est yon acheté pour $50 et puis là ou gade ou est deux moun kap goumen pour esclave l'autre la dit bon ma femme
L'autre a dit non, c'est à femme, pas ma femme, c'est à femme lié. Non, d'acheter pour 50 dollars, je fais ça, blabel, c'est à femme. Donc, esclavage, puis gros bagaille, il fait, c'est que l'écraser sens de dignité humaine et sens de valeur humaine que moun pote, que tout le monde gagne. Donc, plus gros problème, attendez ça, plus gros problème, yon esclave gagne, c'est complexe d'infériorité. Depuis yon moun passe dans la dimension esclavage, côté yon traite le tankou bête, côté yon traite le tankou chose, tankou yon traite le tankou pas rien, tankou yon traite le tankou pas gen valeur, koun yal vin levé avec yon complexe d'infériorité. Dans la constitution américaine, il fut un temps, les esclaves, yon te kon compté dans l'élection, les a fait esclaves, yon te compté esclaves là comme 3/5 d'une personne. Si vous êtes aux États-Unis, si vous êtes aux États-Unis, et puis époque esclavage ou bien les Noirs, les ont commencé à libérer les Noirs, et puis il y a fait recensement dans la zone, parce que par rapport avec recensement dans la zone, ils ont voyé sénateurs, ils ont voyé députés, etc. Si vous habitez dans une zone qui était un pile noir, chaque Noir a compté pour 3/5 de personnes. Ça veut dire Noir aux États-Unis, tu es considéré comme 60% moun. 60% moun, blanc 100%, mais noir lui-même, petit esclave là, li 60% moun. Ça veut dire qui ça vient faire esclave là? Li vient bal yon complexe d'insériorité, li pa jam fin ouè tête li moun totalement. Donc li senti blanc a fait tout bagay, blanc a étudié l'école, blanc a riche, blanc a prospéré, blanc a un gros business, blanc a avancé loin, mais moi m'pa ka aller trop loin. Est-ce que l'église a dit ça m'a dit là? A même déclaré au passé de l'esclavage. Parce que l'homme ou levé avec mentalité esclavage, ou pas jamais, ou qu'on complexe d'infériorité, ou pas jamais senti qu'on a fait de grand, ou senti blanc. C'est normal pour blanc un gros business. C'est normal pour blanc à bien marcher. C'est normal pour blanc réussir. C'est normal pour blanc passer. C'est normal pour blanc à l'entrée de l'école. Mais moi-même, c'est noir. I don't know. Depuis où on a bien joué, I don't know if I can make it. I don't know. C'est mentalité esclavage qui fait ça. Est-ce que l'église a dit ça m'a dit là? Si vous comprenez ça, me dit gloire. Me songez l'homme fait commencer tabernacle de gloire. Nous fait commencer l'église là. Laisse à nous tout petit. Nous témoignage ça plusieurs fois. L'église a commencé tout petit. Nous avons oublié ça. Première offrande, l'un fait commencer tabernacle de gloire. Offrande nous $15, $16. Nous avons oublié première fois. Nous faisons offrande dans tabernacle de gloire. Nous recevons $40. Nous faisons, oh, moi-même avec madame, moi nous content. Nous remercions mon Dieu parce qu'on offre $40. Nous ne jamais connaître l'argent comme ça. Avant. Première fois, nous avons $40 dans l'offre. Mais même là, nous faisons commencer, laisse à nous te Miramar, nous faisons commencer dans l'église, dans Assoué, etc. Et puis même là, nous sommes dans l'époque, ça me souviens, là, nous dans l'époque, ça, et puis mon ami pasteur, je viens avec, etc. Et lui dit, etc. Lui dit, pasteur Gregory, je me garde moi à Gouma avec l'église là, l'église n'a pas campé son oignon, pas de moun, pas de bagage. Ou quoi, pas ta chercher deux, trois blancs pour aider? Il dit, pourquoi pas t'as cherché deux, trois blancs? Là, go deux, trois blancs. Là, go non mission. Là, go pour essayer deux, trois blancs. Et puis, monsieur dit, ça me vexait. Je me dis, monsieur, comment ça s'est passé? Je me dis, où est moins? Blanc, pas de droit d'aider, c'est moins pour aider blanc. Même là, l'église a fait $40. Je me dis, moins, blanc, pas de droit d'aider. C'est moins pour aider blanc. Mais je veux qu'on ait si bon Dieu blanc, c'est pas bon Dieu Grégory. Je veux qu'on ait si bon Dieu blanc. Pour qui ça m'oblige à demander blanc toute la journée, à plonger main devant, manger couille devant. Est-ce que mon ciel pour blanc ou l'autre ciel pour noir? Dis, monsieur, blanc pas bédem, c'est moi qui bédem blanc. C'est pour mon Dieu prospérer. C'est pour mon Dieu bénir. C'est pour mon Dieu lever.
Et puis chose dite, chose faite. Chose dite, chose faite. Nous t'es en blanc, quoi, t'es blanc, etc., etc., etc. Etc. Qui était là, dans la rue. Je ne vais pas entrer dans tout le détail. Monsieur, il est mort. Mais il fait 40 ans dans la rue, dans la drogue. 40 ans dans la rue, dans la drogue. Il est rentré dans la rue, il était 11 ans. Et puis la vie, monsieur, restaurée, elle est rentrée dans le tabernacle de gloire à l'âge de 51 ans. Il fait 40 ans dans la rue. Joule rentre dans le tabernacle de gloire, bon Dieu restaure la ville. Monsieur te gen sida, bon Dieu guéril. Monsieur te gen hepatitis A, B, bon Dieu guéril. Est-ce qu'on a dit ça, Mandjoua là? Monsieur passe de la rue à évangéliste. Avant monsieur mourir, il écrit livre sur Amazon. Et puis avec content, il vient travailler dans le staff tabernacle de gloire. Bon Dieu permette que nous aider monsieur jusqu'à ce que le mourir. Chose dite, chose faite, parce que l'Éternel dit, je ferai comme tu as parlé à mes oreilles. Déclarons son fils. On dit de l'esclavage. Héritage, c'est pas qui valait l'argent ou gagné. Héritage, c'est comment on pensait. Même l'on t'a recevoir $16, on connaît bon Dieu, on t'a servi à son bon Dieu grand. Je connais ces hommes dans lesquels je ne peux arriver, mais je connais ta privée. Je dis de l'esclavage. Mais chaque élément que tu dis ça, chaque fait que tu dis ça, il était sincère, mais tu as une mentalité d'esclavage. Parce que pour lui, c'est blanc qui a prospéré. C'est pour blanc toujours avec des petits noirs. Il n'y a pas quoi que bon Dieu est capable de lever si noir, là, capable de bénir si noir. Mais ce n'est pas ni noir. La Bible dit comme ça. Et l'Éternel dit, il n'y a point de favoritisme là, quand bon Dieu. Si vous faites bon Dieu confiance, même je ne sais pas avec blanc, la servi spanish, la servi à noir, la servi avec haïtien, la servi avec cheveux longs, la servi à tête courte, la servi à cheveux, la servi à bien noir. Ça dépend qu'il soit fait selon ta foi. Dit de l'esclavage. Donc le plus grand problème de l'esclave, c'est que le grand complexe d'infériorité. Pendant toute ville, ils ont traité comme une chose. Pendant toute ville, ils ont traité comme un objet. Pendant toute ville, ils ont traité comme un bagage que ils ont vendre, que ils ont louer, que ils ont acheter. Les dans tant esclavage, les gens ont 3 esclaves. S'ils prennent parti, ils prennent en vacances pendant 3 semaines. Eh bien, il y a l'autre monde qui est dans la zone, il a besoin de monde qui pour travailler. Eh bien, ils quittent 3 esclaves, ils louent l'autre monde dans l'esclave. Parce que l'esclave là, c'est ton chose. Donc, les esclaves là, pleuvent, ils n'ont pas jamais fini quoi que le monde. Et puis, ça a le complexe d'infériorité. Maintenant, là, il y a un complexe d'infériorité, il y a tout problème. Il y a un premier problème, il faut orgueilleux. Oh! Il faut orgueilleux. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça. Moi-même, je ne peux pas penser que le complexe d'infériorité fait un orgueilleux. Oui? Oui? Là où il y a un monde orgueilleux, la montée sous le monde, il ne peut pas respecter le monde. Et la fait moun koué son paquet a fait que lié. La djou, mais qui étude moins fait, mais qui valait l'argent gagné, mais qui famille sorti, etc. Ça fait ça. C'est parce que en dedans, li pa koué l'an yen. Ah, on va attendre ça, m'dou là. C'est parce que en dedans, li pa koué l'an yen. Bon, faut regarder un verset. Est-ce qu'on connaît pour yon moun capable, pour yon moun capable baisser, faut le connait qui est lié. C'est moun qui connait qui est yoyé qui capable humble. Ma pour prendre oui. C'est seulement moun qui connait qui est lié qui capable baisser devant l'autre moun et devant bon Dieu. Mais debout pas connait qui est sur yo pas capable baisser.
Gardons verset avec dans Jean chapitre 13. Ça, c'est un verset qui parlait de Jésus. Dans Jean chapitre 13, il parlait du lavement des pieds. Jean chapitre 13 a parlé de lavement des pieds. Garde qui ça la Bible dit par rapport à Jésus avant de faire lavement des pieds. Jean chapitre 13, verset 3. Verset 3. En nous tous liés ensemble. L'île fort. Il dit qui ça? Jésus. Qui savait que le Père avait remis qui ça? Toutes choses entre ses mains. Et puis deuxièmement, qui ça? Et il savait qu'il était venu de Dieu. Et il allait à Dieu. Faut qu'on là. Verset, ça parle de identité Jésus. La Bible dit comme ça, Jésus, il connaît qu'il était sorti de Dieu. Et puis il t'a retourné à Dieu. Elle te connaît tout que le Père remet toute bagarre en elle. Il sortit dans bon Dieu, il bral dans bon Dieu et tout ça sous la terre, c'est pour lui. La Bible dit comme ça parce qu'elle te connaît ça. En relis verset encore, Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu. Et puis regardez qui ça dit, il dit se leva de la table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se saignit et puis il commençait à laver pieds. Est-ce que tout le monde comprend ça qu'il dit là? Est-ce qu'on comprend ça qu'il dit là? M'ba quoi tout le monde pénètre, non, bam quitter le bam bam bon petit temps pour le rentrer. La Bible dit Jésus, li connaît côté le sorti, li sorti dans bon Dieu, li connaît côté le braler, li braler dans bon Dieu. Il connaît qui ça, bon Dieu, Bali, toute la terre en mêle. À cause de ça, le connaît. Verset a dit, il descend la table, il prend linge là, et puis il marie rien, il commence à laver pied. Ça veut dire, pour humilier, il faut qu'on qui est souillé. Là, il y a un monde qui a déplacé la chaise là pour moi. Et pour regarder, les gens qui sont pensés, ou à passer l'autre, est-ce qu'on pense que c'est Tchoulou, c'est rester avec vous? Ou comment, mais, pasteur, ça qui a cherché bonne, la cherché Tchoulou, la cherché rester avec vous. Depuis, on a appris le petit comme ça, qui problème, il y a une mentalité esclave, il y a un complexe d'infériorité, il n'y a pas qu'on compte le sorti, il n'y a pas qu'on compte le bralé, il n'y a pas qu'on sale possédé. Mais l'âme qu'on aime créer à l'image de Dieu, m'on compte le sorti, m'on compte le bralé, m'on qui est-ce que bien en Christ, ça va dire, pour me baisser, pour me baler, m'ka baler salle là, m'ka lever chaise là, m'ka aider au monde. Ça fait ça parce que me connais qui est. Tu comprends ça me dit à gloire. M'dit de l'esclavage. Esclave la susceptible. Esclave la fâché facile. Esclave la toujours senti moun a manqué le dégât. Esclave la toujours senti moun a monté sous caractère. Esclave la toujours senti moun pas respecté. Esclave toujours ça fait ça parce que en dedans, il n'est pas fin trop sûr de qui est-ce que lui. Mais l'aime qu'on qui est-ce que mieux en Jésus. Baisser servir l'autre monde, ça va nuire du tout. Oh, est-ce que l'église a des amis dit là? Baisser servir dans l'autre monde, ça pas du dit tout. M'songe m'ta parler avec un leader en Haïti semaine dernière. M'a fait yo connait les tabernacles de gloire fait commencer pas de cleaning ministry dans tabernacle de gloire. Donc là nous fait commencer, là nous va faire commencer tabernacle de gloire avant service arrivé, moi même avec madame moi, nous quand arrivé l'église là, une heure temps avant, quand à dans toute toilette yo, make sure nous clean toilette yo pour toilette yo belle pour yo recevoir le peuple de Dieu. Nettoyer chez nettoyer tout bagaille, prendre tir à la tête, laisse tout le monde finir quitter l'église là, nous rester après service. Si on monte mal utilisé toilette là, nous nettoyer les toilettes là pour mettre sure nous quitter toilette là, clair pour moun yo, lorsque parce que son l'église nous t'est loué, pour yon ka jouen ni clair. Est-ce qu'on t'a dit ça m'a dit alors? Mais l'orgon qui a souillé, ou pas de problème pour travailler dans toilette, ou pas de problème pour passer en mort, ou pas de problème pour aider dans le nettoyage, ou pas de problème pour aider dans la chaise, ou pas de problème pour aider. Ça fait ça, parce qu'on connaît.
matin, même si je fais ça, ça va retirer en rien à moi. Je suis style petit bon Dieu. Je suis style que Jésus en dame. Je suis style de l'esclavage. De l'esclavage. De l'esclavage. De l'esclavage. De l'esclavage. Là où est mon l'église, il y a goumé pour place. Mentalité esclave là qui fait ça. Et malheureusement, il y a des gens qui sont dans le ministère, qui pasteur, et puis il y a une mentalité esclave. Malheureusement. Malheureusement. Nous songeons l'aime d'ab grandi New York. Depuis où est une croisade, on est bien droit venir là. Et puis le pasteur. Mais si il y a croisade la fête, il n'y a pas de chita dans la congrégation, il n'y a pas de chita avec les gens. Regardez les chaises là, tout petit, il faut ajouter une grande chaise. Regardez la poule. Ça fait ça parce que si le chita en bas, la descend. Si le chita en bas, vous comprenez la inférieure. Si le chita en bas, la même gens avec n'importe quel monde, nous font des tabernacles de gloire, nous ne pouvons pas mettre chez nous. L'en commence cette tabernacle de gloire, nous fait chair à 100 chaises. Sous un bagage pour faire ou monter ou deal, après ça va le chita même y'a. L'on qui est souillé, c'est pas chita sous chair qui fait des valeurs. Aïe aïe aïe, c'est pas chita sous trône qui fait des valeurs. C'est pas camper devant le monde qui fait des valeurs. De l'esclavage! De l'esclavage! De l'esclavage! Oui, c'est qu'on s'allie. C'est qu'on s'allie. Hier soir, je te dis comme ça. L'homme a un complexe d'infériorité. Il n'est pas trop sûr de tête. L'homme a un complexe d'infériorité. Are we good? Hey, hallelujah. Pour message à brûler chez là. Hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! De l'esclavage. Yes. Hier soir, je me disais comme ça. L'homme a une mentalité esclave, il fait le jolé. L'homme a une mentalité esclave, il fait le jolé. L'homme arrive dans le barbershop, il fait le jolé, il fait le jolé, il fait le jolé. Mais ça me gagne, mais qui l'argent me gagne, mais qui compte pas l'école. Ça qui fait ça. Mentalité esclave là. Parce que tant que nous ne sentons pas en rien, tant que nous ne sentons pas en rien, c'est tant que nous sentons, nous sommes obligés de faire nous croire les choses. C'est ça qui fait ça. Parce que nous ne sentons pas en rien. Bon, je vais vous dire. Là où nous avons une mentalité esclave, même l'argent, il faut dépenser le mal. Depuis que nous avons une mentalité esclave, ou mettre ballon million de dollars, dans 6 mois, la pauvre. C'est ça qui fait ça. Parce que là où nous avons une mentalité esclave, Li dépenser l'argent dans sa besoin. Parce que moun n'a pas quoi, li gen valeur. Puisque le pas quoi, il gen valeur. L'a pas acheté une série de bagay, li senti qu'il a valeur. Li bra l'acheté, s'il bra vini là, li bra l'acheté lunette Ray-Bani ou comprendre pour 2000 dollars, pour 3000 dollars. Pas de problème, moi acheter une lunette qui vend cher sous carrefour. Li gloire à Dieu pour vous, mais soit pas acheter une lunette et c'est pour moun ka di, mettez Gucci sous moi, mettez Louis Vuitton, mettez bagay et puis me sorti c'est ça comme valeur. Ou sont esclaves. Ou sont esclaves. Si vous courez en Mercedes, c'est pour tout le monde qui a dit, c'est Mercedes qui a couru, et puis vous avez dépensé l'argent, ou pas qu'à payer caillou, mais vous avez acheté Mercedes dernier modèle, ou sont esclaves. Sont esclaves. Et pourquoi vous avez l'argent, gaspiller tout l'argent? Parce que l'app cherche, il n'y a pas de gros nom machine, gros nom rad, gros nom tennis, gros nom bagaille, pour ça qu'il y a la valeur. Aïe, aïe, aïe. Mais l'on en Jésus, c'est pas grave qui sous moi, c'est pas grave qui sous moi, qui va me valoir. Est-ce qu'on t'a dit ça, m'a dit là?
M'pa met ton rat sou moi parce que le gen gros nom, met ton rat sou moi parce que le fait bien, parce que le bon paraît, ça bon valeur à c'est Jésus. C'est Jésus comme dame là. Hey! Hey! L'apôtre Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Présence mon Dieu dans moi son trésor. Présence cet esprit dans la vie son trésor. C'est pas Gucci qui trésor. C'est pas Louis Vuitton qui trésor. C'est pas Calvin Klein qui trésor. Trésor là. Nous portons. Hey! C'est mon Dieu comme dame là. C'est puissance comme dame là. C'est cet esprit comme dame là. Dis gloire. De l'esclavage. De l'esclavage. De l'esclavage. Esclave là, puisque le pas senti le gain valeur en dedans, l'a cherché valeur à non linette, l'a cherché valeur à non bousse, l'a cherché valeur à non soulier qui coûtait cher, pour lui c'est ça qui vaut valeur. De l'esclavage, moi dis de l'esclavage, de l'esclavage, de l'esclavage. Yes. Maintenant, kounya qui ça Jésus vini, il vient faire. Jésus vini. La Bible dit comme ça. Le Jésus vini. Le Jésus vini, il fait nous passer de l'esclavage à l'héritage. Il dit, vous n'êtes plus esclaves, mais vous êtes fils de Dieu. Donc si hier, moi pas de penser dans rien, je m'accepte Jésus, je connais mes valeurs. Yes. C'est ça que fait. Là, yon moun gen mentalité de fils. Là, yon moun gen mentalité de fils. Li konnen ki yas papa liye. Li konnen se petit bon Dieu. Quel que soit, j'en tombe bas dans la vie, la pleuve quand même. Ou mettre elle tombe, elle va prêter, la pleuve. La pleuve, la pleuve. La Bible dit, t'es gon jeune garçon. Ou konnen lò nan jeunesse ou fait erreur. Gon le désir monde l'en prendre. Li dit papa, m pa vle rete nan kay la encore. Bon portion d'héritage qui avait men pour m'aller. Yo bal portion d'héritage là. Et puis la Bible dit le quitte kay la la non pays loin. Nan premier mois yo c'est belle fête. Gen l'argent, tout zanmi là. Night club, fille, girlfriend, etc. La Bible dit comme ça, etc. La prend l'argent. Mais l'argent, ce n'est pas une source infinie. L'on a dépensé, le grand côté est arrivé. Fini. Et puis monsieur dépensé, l'a dépensé. Et puis il arrive en côté, il n'a pas l'argent encore. Là, il n'a pas l'argent. La Bible dit tout zami te avec yo. Zami te kon a bal be pa wol kon a commencé à bal mauvais gens. Gen quelques messages WhatsApp li te kon voye yo te kon répondre immédiatement kon a yo tannon 2 3 jours avant yo répondre yo di m don ti jan bizi mon frère. Y a chercher la vie à l'autre côté. Moun commence laisser monsieur et puis laisser à lui-même. Et puis la Bible dit, il va en côté, puisque il te quitte la caille. Papa le jeune, il n'a pas de profession, il n'a pas de formation. Seul job qu'il a joint, c'est job, prends soin cochon. Ou qu'on juif, pas en affaire avec cochon. Il n'a pas même mangé viande cochon. Allez voir, pour que ta vie tourne dans bon créole là, tchou le cochon. Mais seul job qu'il joint, c'est job, tchou le cochon. Et puis la Bible dit quoi ça? Monsieur a fait tout le cochon, la teke cochon, la bagarre. Mais l'elchita le réfléchit, il rend compte que même cochon, plus privilégié par celle, parce que l'elwe cochon a mangé, grand goût prend, il sentit le tapon bon bagarre. Vous comprenez? Il sentit le mal, marre goût avec cochon pour manger chou. Cochon a joué chou cochon, il sentit le joué chou ça, et puis il t'a bien bal force. S'il te font bon tir rafraîchi avec.
Mais les cochons à manger à fel, il n'y a pas qu'à manger cochon. Il n'y a pas qu'à manger cochon. Et puis pendant la privé, pendant le sale, pendant le pas camper sous moyen, pendant le bagage, il songe. Et puis la Bible dit, bon jour, il songe. La vie vit d'esclave. La vie vit d'esclave. Et mon livre d'esclave, il n'y a pas même fait l'esclave parle, non? Il fait monsieur vin esclave cochon. Cochon. Ça veut dire c'est dernière dimension d'esclave. Et puis pendant là, la Bible dit, levez tête li, et puis il songe, pas mal. Les songeait pas esclave, mais ils sont fils. Ils sont petits au monde. Ils sont petits au homme. Et puis la Bible dit côté là, il dit m'a retourné la caille papa. Oh my goodness. Hey! Il dit m'a retourné la caille papa. Et m'a dit papa. M'a mérité pour elle fils. Relais mes esclaves, relais mes serviteurs. Mais si mes esclaves la caillou, ma plus bon esclave que esclave cochon côté de là. Il dit pas relais mes petits. Ah, relais mes esclaves. Oh, aïe, aïe, aïe. Je ne vais pas pour m'entrer dans la base. Demain soir, je vais entrer dans la cause ça avant. Demain soir, je vais entrer dans la cause. Relais papa. Il dit papa, pas relais mes petits moi. Relais mes esclaves. Il dit relais mes esclaves. Il dit papa, relais mes esclaves. Et puis papa dit, viens bien, monsieur. Il dit papa, relève mes esclaves. Il dit savonnez, monsieur. Il dit papa, relève mes esclaves. Il dit mettez parfum sous, monsieur. Il dit papa, relève mes esclaves. Il dit fais cheveux, monsieur. Il dit papa, relève mes esclaves. Il dit habillez, monsieur. Il dit papa, relève mes esclaves. Il dit mettez bac dans votre, monsieur. Il dit papa, relève mes esclaves. Il dit tout est capite pour, monsieur. Il dit papa, relève mes esclaves. Il dit vous faites champagne pour. Parce que demain soir, je vais expliquer mon bagage. Papa ou pas remé ou, à cause de son fait, papa ou remé ou, parce qu'on fait petit lui. Hey! 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 Papa parle mort à cause de son fait. Il est mort parce qu'on s'est petit. Et puis l'aile retourne papa. La vie t'est changée. Nous t'avons mon connaît. N'a pas cochon. Moi sûr et certain. T'es grand pile esclave qui t'a pété cochon. T'es grand pile esclave qui t'a travaillé dans la caille là. T'es grand pile esclave qui t'es dans le parc là. Mais qu'il y a un seul qui sorti. C'est ça que t'es mentalité de fils. Qu'il y a un seul qui sorti. C'est ça qu'on est de grand papa. Avis-toi, soyez. Ou grand papa, sorti n'a pas cochon. Ou grand papa, fornication, ou grand papa sorti dans l'adultère, hey! Ou grand papa sorti dans le placage là, ou grand papa sorti dans la marijuana, ou grand papa.